Salut les touristes, alors une petite vidéo, si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de notre machine à laver, entre guillemets, pour laver le linge. Je vous mets le petit i en haut pour vous rappeler la vidéo d'il y a au moins 3 ans, je de souvenir. Ouais, 2 ans et demi, 2 ans et demi, je crois. Donc voilà, on lavait notre linge à l'intérieur de ça, on mettait de l'eau, de la lessive et notre linge et on refermait et on roulait. Donc c'est un seau hermétique, hein, vous voyez, c'est un ancien seau de colle. Et du coup, en roulant, rien que le fait de brasser, hein, on mettait ça dans notre douche. Hop, voilà. Et puis rien que le fait de rouler, ça brassait l'eau et ça lavait le linge. Donc là, on est passé à un système un peu plus, peut-être pas moderne, mais qui aura un double emploi, on va dire. Voilà. On est passé au seau de 30 litres. Donc là, c'était un pot de colle de 18 kilos. Et donc là, on est passé à ce modèle-là. Parce qu'en même temps, il va nous servir de bidon étanche pour si on part en vacances, suivant où on part. Si on a une rivière à traverser, des trucs comme ça, parce qu'on l'a déjà fait, et c'est vrai que. Avec les filles, ça nous a posé souci quelquefois d'avoir nos affaires et de ne pas avoir un sac étanche ni quoi que ce soit. Et donc en même temps, eh ben, on aura ce bidon étanche où on pourra mettre nos affaires, traverser les rivières et puis revenir au camping-car et repartir à un autre endroit et mettre notre linge à laver. Donc franchement c'est super pratique, ça vous coûte voilà un petit peu de lessive. Alors ceux qui font de la lessive bio, ça marche aussi, hein. C'est surtout le fait de rouler qui brasse, qui va donner des mouvements à l'eau et qui lave votre linge. Le seul souci c'est qu'il faut s'arrêter, vous vidanger et puis vous remettez de l'eau propre pour rincer et ainsi de suite. Voilà, c'est super écologique, ça demande juste un petit peu de temps et c'est super pratique. Ça je peux vous le garantir, il y a rien de mieux. Ça consomme rien en courant, il suffit juste de rouler. Alors après, voilà, faut pas rouler juste pour ça. Mais si vous déplacez d'un point A ou à un point B, ben vous vous arrêtez au milieu, vous rincez votre eau et voilà, sur 30-40 km, je peux vous dire, ça lave super bien le linge. Nous, on a été vraiment très étonnés avec rien que ce bidon-là, on a été super étonnés du résultat avec l'état de l'eau. Franchement, c'est surprenant. Ouais, donc il a trouvé sa place. Hop, voilà, il va être fixé ici. Alors ce que je vais faire, là j'ai commandé des sangles. Il y aura une vis ici avec une rondelle avec la sangle qui va passer là. Et pareil ici. Donc je vais récupérer le bois hein, parce que là c'est du plastique. Et comme ça, hop, on pourra le sangler ici. Et au moins en roulant, ça ne bougera pas, ça ne se renversera pas. Même s'il tombe, ça ne se renversera pas. Mais je veux dire, ça va pas se cogner n'importe où. Il va être calé, ça va brasser et ça va laver notre linge comme ça. Voilà, c'était pour la petite astuce du jour, on va dire. Allez, je vous dis à plus tard. Installation de longue portée. Alors j'en ai acheté à LED. Et puis je m'en suis acheté comme ceci. Mais par contre, ça ira à ces endroits-là. Mais par contre, je les branche. Je pense pas que je vais les brancher ceux-là. Je les mettrai juste en déco. Je vais voir ça. Je vais essayer de voir comment je peux les installer. Ou alors juste mettre le cache avec la vitre jaune, juste pour le style. C'est vraiment juste pour le look. Voilà, que ça fasse un petit peu rétro aussi. À la fois moderne et rétro. Et puis ceux-là, par contre, là, je vais les brancher parce que c'est vraiment pour voir mieux la nuit. Et donc voilà, il y a un bouton, il y a tout, tout le faisceau est complet. Les modifs que je vais avoir à faire, ça va être au niveau des cosses parce qu'elles sont beaucoup trop grosses pour que ça passe au niveau de la batterie. Mais tout le reste, tout est déjà pré-câblé. J'ai plus qu'à passer mes feux et les brancher. Alors pour l'installation, ben je crois que je vais me mettre ici. Je voulais les mettre au début vraiment ici. Je voulais percer et puis les mettre là. Niveau câblage, ce sera trop court. Et puis, franchement, ça m'ennuie de percer la cellule. Voilà. Je vais les mettre vraiment, je crois. Ouais. Je vais les mettre à ce niveau-là. Là, ça va être ici, comme ça, là. Parce que là, ça va être déjà trop, trop penché. Ouais, je crois que je vais les mettre ici, comme ça. Pas trop vers le radiateur, mais voilà. De l'autre côté, ça gênera en rien pour le refroidissement. Parce que, bon, déjà, le radiateur, il est assez grand. Et puis il s'arrête ici, donc là ça gênera en rien.
Et l'autre ici, ouais, je crois que je vais faire ça. Bon, bah voilà, là j'en ai posé un. Alors là, j'ai pas mal galéré parce que j'ai dû démonter la contreplaque qu'il y a derrière pour avoir accès. Mais finalement, j'aurais pas dû le monter, j'aurais dû l'installer comme celui-ci. Installer déjà la pâte avant. Donc là, je vais redémonter la pâte pour avoir accès un peu plus derrière pour essayer de mettre la clé à cliquer un peu mieux que ça pour être sûr que ce soit bien serré. Bien que j'ai mis des écrous freins derrière en plus, donc voilà, il n'y aura aucun souci. Je vais le laisser comme ça, il bouge pas du tout. Hein. Il bouge pas du tout. Alors pour le faisceau, sinon, bah, il passe ici. Clac, j'ai changé du coup les cosses pour que ça aille à la batterie. Et puis bah là, je l'ai mis là en attendant. Je rebougerai la roue de secours plus tard. Mais je refais passer le fil dans le passe-câble qui est juste là dans le fond. Voilà, juste le trou rond. Hop, voilà, juste le trou là, rond, c'est un passe-câble. Et donc, du coup, je l'ai réussi à passer la cosse dedans. Et ensuite, je l'ai fait redescendre dans le tableau de bord et je l'ai fait revenir ici. Donc, j'aurai la commande ici. Alors, moi, je voulais le mettre, mais direct sur les pleins phares. Et puis, finalement, je me suis dit, oh, c'est pas plus mal de l'avoir à côté. Alors, je verrai, peut-être que je le modifierai par la suite. Et que je le mettrai direct quand on met les pleins phares. Voilà, au moins ce serait peut-être plus simple. Je sais pas encore. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc moi, j'ai dû démonter la calandre pour vraiment avoir accès correctement, ben, surtout à cet endroit-là pour le serrer. Ben, suivant où vous les mettez, hein, vous n'aurez peut-être pas besoin de démonter la calandre. Sinon, au niveau câblage longueur, on est pile poil, hein. Vous voyez, là j'ai du rab et je vais arriver pile poil pour l'autre ici. Ça va être nickel. Donc je vais continuer, je vais remonter celui-là du coup. Mais ouais, c'est plus simple de démonter la pâte avant et de monter le fer ensuite. Voilà, allez, je continue. Bon, nous voilà pour le test. Alors bah, il fait noir, hein, vous voyez. J'ai mon petit phare de 2 chevaux avec une lampe solaire. Enfin bref. Donc là, hop, je mets les veilleuses. Bon, on les voit pas, hein, mais là, ah, il va falloir que je mette le contact. Voilà. Là, je suis en feu de croisement, plein phare. Voilà. Là, j'allume les feux. Waouh. On voit même plus les pleins phares. Je peux même rouler comme ça. Franchement, là. Ouais, on voit quand même que je fais des appels de phare, mais si je retire, voilà. Normalement, ça c'est en plein phare. Hop, voilà, là je suis en plein phare. Donc, bah ouais, on voit que ça éclaire pas des masses. Et là, je suis avec les feux. Donc là, on peut voir que ça crache super bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment parfait. Et donc là, bah voilà ce que ça donne de face, mais on voit pas grand-chose, mais je peux vous dire que franchement, ouais, ça éclaire super bien. Je regrette pas du tout mon achat pour le prix. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, pour 50 balles, je trouve que c'est top. Je trouve que c'est top. Bon, bah voilà. Encore un achat satisfaisant. Et je vous en dirai plus quand j'aurai roulé une nuit avec. Mais déjà là, j'ai encore rien réglé, j'ai pas réglé la hauteur ni quoi que ce soit. Mais ouais, c'est vraiment top. Bon, et puis voilà, ça c'est ce que ça donne, ben, une fois tout remonté. Donc c'est pas mal, ça déborde pas trop, franchement ça reste correct. Et puis et bah, surtout c'est que ça éclaire vraiment super bien.